Cloudy Crowd Zone. Et Tails, c'est trop intelligent, sérieux. Oui, on se promène sur les nuages. Comme c'est plaisant. Oui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Tails et je vole. Oui. Ok, mais ici, on peut sortir de la map pour aller ici. Ok. C'est totalement normal. Mais là, ici, j'ai pas trop compris. Le principe, il y avait comme une fusée qui a décollé et elle est partie. Je sais pas si elle va revenir un jour. Parce que j'ai comme sorti de la fusée. Mais la musique est jolie. Ok, ben là, je vais voler. Putain. Ok, ici, je peux remonter, je crois. Voilà. Ok. Ah, ça fonctionne comme ceci. Putain, c'est quoi ce niveau? C'est quoi ce niveau? What? Je crois que voler sera notre meilleur ami dans ce niveau. Je sais pas pourquoi, c'est mon intuition de... Le pédobear. Pédobear? Le pédobear? Je sais pas pourquoi, parce que là tu comprends pas trop le niveau. Comment il fonctionne. En plus, il y a des nuages qui me passent en pleine vue, donc au final, j'ai aucune idée de ce que je fais. Je m'en vais vers la droite, il peut vers la gauche. Et là, non. C'est un siphon qui vole. Même Tails est tellement ennuyé qu'il baille. I don't give a fuck about this ride. Je m'en branle, qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais juste bailler. Je suis tellement cool que je baille. Oh non, ennemi! Ouh! C'était dur. C'est un boy encore. Ok, non, les Tails. T'es trop cool. T'es un renard à deux queues. T'es pas comme Kyuubi. Comme dans Naruto, si ta vue représente. Et là, je vais redescendre. Oui! Et là, on remonte. Ok. Non, je vais sauter. Sauter ici. Oh! Wings! Oui! Ça le récolte. Mais c'est vraiment chiant le truc des nuages. Parce que on voit. Il y a des ennemis qu'on voit, il y a des ennemis qu'on voit pas. Donc au final c'est ultra chiant quoi. Hop, pas si loin. Ici je devrais pas se tromper, voilà. Hop, hop. Et eux je peux pas les attaquer du dessous. Hop. J'espère que c'est bientôt la fin du niveau. Et j'espère que le prochain niveau sera un petit peu plus beau, puisque lui je l'aime vraiment pas. Sérieusement, je le trouve vraiment archi dégueulasse. C'est ultra chiant, c'est pas plaisant. Pas plaisant. Tellement que c'est pas plaisant, ben je vais pas. Oups! Oups! Oh non, on peut plus avancer. Oh, c'est parce que c'est fini. GG, t'as vu, hein? Hop! Ce serait vraiment épique que dans un jeu de Sonic, la fin soit vers la gauche. Sérieusement, ce serait le truc le plus épique que je n'aurais jamais vu de toute ma vie. Hop, hop, on saute sur des nuages. Hop. De toute façon, je sais pas pourquoi ils mettent des côtés plateforme avec Tails quand on peut tout simplement voler. Donc ça enlève tout le principe de faire le côté plateforme dans un jeu qu'on peut skipper les côtés plateforme. Donc bon. Ah là là, acte 2, j'espère que ça sera mieux. Ah mais non. C'est moins pire parce que là, il y a de la pluie. La pluie, je m'en branle un peu. Ah ben là, vu que ça vient gris, là, c'est de la merde. Ok. Oh là, il y a du vent, il y a du vent. Putain, il y a du vent. Ce jeu de fifou, je vais voler parce que c'est beaucoup plus simple. Là, j'avoue que c'est archi dégueulasse quand même. C'est trop gris, mais bon. Ça nique les yeux. Nique la logique. Ah là, ça redevient normal. Ok, parce qu'en gros, on était à l'intérieur de Cumulonimbus. Non! Ok. Ça, on peut pas monter là-dessus, ça, oui. Oh, ça, c'est des putains de nuages qui rebondissent. Oh, fils de pute. Moi, je vais voler. J'en ai rien à battre de ce jeu. Sérieusement, j'en ai rien putain à battre de ces putains de ressorts à la con. J'ai pas envie de me compliquer la vie. Moi, je vole, motherfuckers. Voyez, bon! Ok.
J'ai vraiment hâte de finir cette zone. Je sais pas pourquoi. Elle est ultra chiante. Oh, l'esquive qui commence. Double kill. C'est un double kill. C'est le double kill du Tails. Tails-sama. What? Ok. Double ressort, quoi. Totalement original. Un triple ressort, ça aurait été bon. C'est comme un double rainbow. Double rainbow. Ok. Non, je vais pas rentrer dans le nuage gris. Sors du nuage gris, Tails. Voilà. Non. Non, 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 la hitbox. Merci d'avoir mis un punch ici. Et même maintenant, il y a des ennemis qui lancent des Hadouken. Mais c'est pas des vrais Hadouken. C'est pas la même chose que les vrais Hadouken. Les vrais Hadouken sont beaucoup plus cool. Parce que eux, ils font Hadouken. Parce que eux aussi lancent des Hadouken, mais ils disent pas. Donc c'est pas vraiment des vrais Hadouken. Simplement des attaques énergétiques. C'est pas Hadouken. C'est pas pareil. On peut rentrer à l'intérieur du nuage. Ok. Mais bon, c'est pas trop trop mal, mais bon, c'est pas mon style de niveau que j'aime le plus en ce moment. Juste vraiment hâte de finir. Hop, hop. J'espère que c'est la fin encore une fois. Allez, Bold Tails. Rends-toi jusqu'à la fin. Fais-nous honneur. Fais honneur. Oui, l'esquive. Allez, c'est la fin. Merci. Non, je prends même pas le bonus stage. Je m'en branle un peu. Ok, je pensais qu'il y avait juste deux actes, mais en fait, il y en a trois. Et là, c'est un wannabe. Oh putain! Il y a du feu qui sort dessus. Et là, c'est un wannabe remix. Bah, c'est. Oui, c'est un remix de. Sky Century Zone en Sonic 3. Je vais vraiment pas me tromper. Je crois que c'est Sonic 3. Oui, c'est Sonic 3. Il est quand même bien fait. Là, j'aime déjà plus le. Dès qu'il enlève les. Pas de texture Minecraft des nuages, quoi, c'est, ça vient déjà. Non, ça je veux pas. Ok, je comprends, c'est ici. Ça, c'est si je reste dessus, ça active le feu. Donc c'est pour ça qu'avec le pilier, ça fait activer le feu. Je comprends. C'est avec le pilier, avec la botte. Hop, hop. Donc là, il va falloir rejoindre Sonic, le rebelle. Il est où, Sonic? Il est où, mon ami Sonic? Même si c'est pas encore mon ami, parce qu'on s'est toujours pas présenté. Oh, trickshot! Hop! Je sais pas si le niveau est bien long, mais là, ça a l'air pas trop mal. Oh putain! J'ai eu le moment de réaction qui m'a pris du temps. J'ai en plus été surpris de l'attaque feu du Charizard, du Chalamesh, du Salawesh, c'est plus ça que je voulais dire. Ok, super vitesse pour sortir. Stage, parce qu'en gros il y avait plus de place, donc ils se sont tirés, on va aller à l'extrémité pour ajouter des trucs. C'est quand même une belle façon de faire, pour en même temps c'est une belle petite transition. C'est sympa. Hop. Hop. Et qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, non. Ok, bah vu que ça c'est quand même. Oh, il y avait du vent, putain, il y a une. Oh, la résistance quoi, il faut tout que je recommence. Ah putain. En gros, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait tout simplement une certaine résistance à cause du vent. Je l'avais totalement pas remarqué, je l'ai remarqué vers la fin. Mais bon, vers la fin, il est comme un peu trop tard, vous savez. Donc là, faut tout, je recommence, parce que c'est sympa, les niveaux, faut tout recommencer. J'aime bien recommencer, tous les trucs à recommencer. Ça me dit de faire attention, mais je m'en branle comme pas possible. Hop. Je sais pas si dès que j'ai l'appui, non. Faut vraiment que je reste un certain temps pour vraiment ça l'active au courant complet. Donc pour ça, c'est déjà pas trop mal. Si, là c'est vers la gauche, je vais faire un sprint dash.
Hop. Je pense qu'après, ça va être le dernier niveau avec Sonic. Je crois bien. Je peux peut-être me tromper, mais je crois. Je crois qu'après, par la suite, c'est vers la fin. De toute façon, la musique est assez épique pour faire des trucs. Épique, épique, ça me pique. C'est tellement épique. Bon, hop. Là, vu que je connais assez bien les astuces, bon, là, c'est le petit truc. Oui, je monte, je descends, je monte, je descends, je descends, je monte. Ok. Ah, non. Ça, j'avais oublié. Ok. Là où je me suis fait tuer comme un con. Je me suis vraiment plus en plus, c'était comment? Je me suis vraiment plus, c'est vrai. Ok, ensuite, que... Prends les wings. Okay. Ah oui, c'était ici avec le truc de la résistance de l'air. Hop. Hop. Là, je devrais être safe, je crois. Calme-toi, Tails. Je sais que t'es super excité de qu'est-ce qui se passe, mais on va venir t'exciter autant. Hop. Ok, le checkpoint était juste après. Ça, ça m'arrive assez souvent, sérieusement, d'arriver, de mourir, et après, il y avait un checkpoint qui était juste à 2 cm. C'est chiant. Toi, tu m'énerves. Et là, j'ai plus de rings. Plus de rings, plus de rings, plus de rings. Je le répète, plus de rings. Tout de suite, quand je dis ceci, il y a des rings qui apparaissent. Bon, ça me chiant en ce moment. Ils se sont dit, oh, c'est Tails. Comme ça, on peut faire ce qu'on veut. Allez, ça fait du niveau. Ça en convient encore plus. Oh putain! Quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Oh sérieux, j'adore. Oh j'adore. Sérieusement, j'adore. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça... Ah putain! Mais c'est la tête chercheuse. Oh! Hop. J'ai plus de wings. Non, non, missile. Non. Vite, remonte, remonte. Va prendre les wings. Ok. Ok, Tails. Tails et le corbeau géant. Oh oui! J'ai rattrapé le wings. Ok. Hop. Sérieusement, c'est drôle. C'est... Tails peut voler, mais là, c'est un corbeau volant qui prend la... Non! Oh oui, je l'ai eu. Ça fait penser à un niveau, c'était en aquatique, pas aquatique, c'était dans Sonic 3, dans Marble Zone. Tout simplement qu'il fallait prendre Tails comme étant la personne qui te rattrape. Et... Ah merde! J'ai relancé Rings. Donc c'était Tails qui nous rattrapait. Oh le combo! C'était Tails qui nous rattrapait. Donc c'était Sonic qui était en train d'attaquer le Dr. Eggman. De toute façon, celui-là est beaucoup plus simple à contrôler. Tandis que Tails avec Sonic, c'était ultra... ultra chiant. Et voilà! J'ai réussi! Le boss était assez simple, je pensais qu'il aurait été un petit peu plus dur. Ça reste sympa à faire.
Mais bon, vu qu'on arrive bientôt vers la fin du jeu, de toute façon, je vais arrêter de tourner ici et je vais continuer une autre fois. Donc on va se retrouver pour Arcade Altitude, je pense que c'était ceci. J'ai pas trop vu, mais la musique est assez stylée. Donc bon, merci d'avoir écouté et on se revoit pour les prochains épisodes. Salut tout le monde!